Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? J'ai été doucement pour toi. Mais comment? Comment es-tu monté si vite? J'ai passé mon enfance à grimper ces montagnes. Je les connais par cœur. Alors tu te sens mieux? Oui, mais mon esprit souffre encore. Elle semble un peu nerveuse. C'est à elle de décider si elle te choisit. Hé, hey, nous nous sommes déjà rencontrés? Ne t'inquiète pas. Aucun Nikran qui se respecte n'accepte la première fois. Continue, montre-lui que tu es digne d'elle. Je l'espère. Priya, tu ne devineras jamais où je suis en ce moment. Les Varanahe ne t'ont pas fait bouillir dans une de leurs cuves, hein? Pas du tout. J'escalade la volière des Ikran. Pour être choisie. Du moins, je l'espère. Sérieux? Là, maintenant? Qu'est-ce que c'est maintenant? C'est super haut, non? T'as pas peur? Tu m'aides pas vraiment, là. Tu dois en parler à Nor. Il va adorer ça. Attends, je dois prendre un marche-pied. Thank you.
J'espère être choisi. Ce lien est pur. Vierge de tout contact humain. Mais nous, les Salento, sommes un peu trop humains. J'utilise même un instrument humain pour parler avec toi. Eh bien... À la guerre comme à la guerre, non? C'est sûrement ce que dirait Mercer. Je vais le faire. Vite de tomber, ok? Priya! Pour faire le lien, il faut une confiance mutuelle. Je crois qu'elle n'est pas tout à fait prête. Souviens-toi que c'est l'écran qui te choisit. Pas l'inverse. Wow ! Calme-toi, ça va aller. Tout va bien. Je ne vais pas te faire de mal. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Non ! Qu'est-ce que je fais de mal ? Elle ne te fait pas encore confiance. Continue. Elle récompensera peut-être tes efforts. Je commence à croire que j'y arriverai jamais. Elle se moque de toi. Tiens bon. Ma Aylan, écoute-moi bien. C'est un lien précieux, prends-en soin. Une vie à tout jamais liée à la tienne. J'ai rencontré Zomei juste ici. Elle s'est cabrée en claquant ses mâchoires. J'avais le ventre noué, les mains moites. Mon cœur frappait fort dans ma poitrine. J'ai cru qu'il allait exploser.
Mais elle cherchait seulement à m'impressionner. Nos regards se sont trouvés et mon cœur a ralenti. Ma respiration s'est calmée. Je savais qu'elle me choisirait. Je l'ai senti. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Je ne vais pas te faire de mal. Wow ! Calme-toi. Ça va aller. Donne-lui un nom. Elle t'appartient désormais. Je crois que je vais t'appeler Katir. Un nouveau lien. C'est merveilleux de voler par la pensée. De toucher un autre esprit. Vos cœurs battant à l'unisson. Vous devez le sécuriser par un acte de confiance. Comment je fais pour... Appelle-la ! Appelle ton Ikran ! Envolez-vous tous les deux et renforcez votre lien. Oui, on a réussi. Tu as réussi. Merci, merci beaucoup. Bon, réfléchissons. Comment faire? Veux-tu aller plus vite? Voilà! Allez, plonge! Ya, ya! On devrait y aller. J'espère que les chasseurs à Ranahe vont nous aider. Tu as sûrement vu ces horribles ballons de la RDA. Je ne pense pas qu'on puisse les détruire sans aide. Allez, allons retrouver Etua.
Ton Ikran est fière et farouche. On dirait qu'elle s'est reconnue en toi. Ton père a refusé de m'aider. Comme tous les autres. Peu importe ce que je dis, il continue de me voir comme la fille de mon père et pas comme leur Tsarik. Tu es tout ce qui lui reste. Je ne suis pas que l'ombre de ma mère. Elle adorait cet endroit. Quand j'étais enfant, nous volions jusqu'ici ensemble. Elle me portait sur son Ikran et me serrait contre elle. On s'allongeait par terre. Et on se racontait des histoires sur les étoiles. Je me sentais tellement grande. Elle te donnait confiance en toi. C'était les légendes sur les Kinglore que j'aimais le plus. Je me demande quelles histoires se racontait mon peuple. Ils te les ont volées. Ceux qui viennent du ciel ont trop volé. Ma mère avait compris que leur cœur était empli d'ignorance et de cupidité. Elle s'est opposée à eux et elle a fini par se faire tuer, transpercée par du métal humain. Après cela, il n'était plus question de résistance. Ton père pense à ce qu'il a perdu en les combattant et à ce qu'il risque de perdre. Si nous ne les combattons pas, alors nous allons tout perdre. Nous ne voulons pas de cette guerre. Mais ils ont fait de nous des guerriers. Nous devons aller au-devant d'eux. Priya, il y a quelque chose dans le ciel. Une espèce de signal émis par ces appareils. Les machins volants de la RDA ? Ça perturbe les Kinglore et leur alimentation dans la forêt. En aidant les Kinglore, on aide aussi les Aranahe.